streaming, you're screaming, and we're all ready to open the Great Vault. And when we do, our holy family's gonna tear the whole galaxy a new one. Oh, and if there's any Vault Hunters watching, don't expect mercy. I'm not that kind of god. I'm One. Apocalypse party! We're blowing up this whole motherfucker! Let's do this shit! Bien le bonsoir tout le monde, ouh là là, très heureux de vous retrouver. Dans quelques semaines, Borderlands 3 va souffler sa première bougie. Il est sorti le 13 septembre 2019, donc bientôt un an. Et je pense qu'il est quand même temps de faire un petit point sur cet opus. Ayant joué quasi tous les jours pendant un an au jeu, je pense que je suis un peu capable de donner un avis objectif sur ce Borderlands 3. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est le moins bon? Eh bien, on va voir ça ensemble. Pour pas vous faire attendre, pour moi, ce Borderlands 3 n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas non plus le pire. Il y a de nombreuses choses qui ne vont pas dans ce Borderlands 3, mais il y en a d'autres qui rendent ce Borderlands 3 meilleur. Je vais procéder par plusieurs points, et on va commencer avec le scénario qui est bon. On va pas se mentir, le scénario, il est pas ouf. On reste sur une histoire basique de l'ensemble des Borderlands, c'est-à-dire la soif de pouvoir, l'envie de tout contrôler, sauf que les deux protagonistes, Troy et Tyrene de ce Borderlands, ne sont pas du tout à la hauteur de Jack. Je trouve qu'ils n'ont aucun charisme, ils sont juste casse-burnes, quoi. Ils n'arrêtent pas de lancer des piques, enfin, ils ont un humour peut-être qui me dépasse, peut-être sûrement à mon âge, on va pas se mentir, j'ai de la trentaine. Donc, Saga, ils ont un esprit très enfantin avec les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Après, encore une fois, moi, je trouve qu'ils n'ont pas de charisme, je trouve qu'ils sont casse-burnes. Sûrement à cause de moi, mais je pense que c'est vraiment une volonté du studio de les rendre comme ça. Donc si c'est vraiment la volonté qu'ils avaient de les rendre comme ça, là ils ont réussi. Mais pour moi, le grand méchant top 1 de tous les Borderlands confondus, c'est Jack. Jack, c'était le number one. Je trouve aussi qu'il y a certains personnages des anciennes Borderlands qui sont assez effacés dans ce Borderlands 3. Ils sont juste là pour faire acte de présence. Par exemple, je vais cibler la Team B. La Team B, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est Brick, Mordecai et Tinikinas, qu'on voit une seule fois durant la quête de l'enclume pour aller libérer Sir Hammerlock, si je dis pas de conneries. Et puis après, nada. Plus rien du tout, le calme, le plat. Après, je m'avance pas trop, mais nous allons encore avoir de la nouveauté sur ce Borderlands 3. Peut-être qu'on va avoir des surprises dans les prochains DLC, dans les prochains add-ons. Ça, je peux pas vous le dire, on verra bien ce qui va arriver sur la suite de ce Borderlands 3. Après, le scénario nous propose quand même quelques bonnes surprises. Tout n'est pas acheté sur le scénario du Borderlands 3. Donc attention, spoiler! Pour ceux qui viennent d'acheter le jeu, mais attention, spoiler, je vous invite à avancer la vidéo, je ne sais pas quand, je vous mettrai un timecode dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, donc par exemple, il y a des grosses surprises auxquelles on s'y attend pas du tout. Je vise bien sûr la mort de Maya, parce qu'à aucun moment, même pendant la cinématique, on y pense. Et là, boum, Troy arrive par derrière et te tue Maya, donc ça pique un peu.
Il y a aussi à la fin du jeu, le sacrifice de Lilith pour sauver l'univers. Bon, je peux vous mentir que même moi, si personnellement, je pense que Lilith est toujours vivante dans un petit coin de paradis, un peu comme Michael Jackson, tu vois. Parce que pour moi, Michael Jackson, je suis sûr qu'il est pas mort. Il est tranquille sur une île, là, avec plein de petits enfants. Ouh, je suis méchant. Bref, on s'éloigne du sujet. Voilà, donc voilà ce que je pense du scénario du jeu. Comparé aux anciens opus, c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même un scénario basique et qui tient la route. Maintenant, hop, on passe du coq à l'âne, car il y a un autre sujet qui me turlupine dans ce Borderlands 3. Oh oui, vous savez de quoi je veux parler. On va attaquer le loot. Oui, alors pour certaines personnes, ça peut être une bonne chose, mais pour tous les gros pieux de Borderlands 2, on n'en peut plus. Alors, je vais développer, ne vous inquiétez pas. On n'en peut plus de voir du légendaire partout. Par exemple, sur Borderlands 2, pour avoir ne cesse qu'une seule légendaire, oui, une seule, fallait taper le boss des dizaines de fois. Et tu voyais du orange, t'avais ouh, super, c'est splendide. Alors que dans ce Borderlands 3, tu dégommes un boss, tu lootes entre 5 et 8 légendaires. Donc, t'as même plus de suspense, tu dis, ah, là, c'est sûr, j'ai un légendaire. Limite, t'es content quand t'as pas de légendaire, tu dis putain merde, j'ai pas de légendaire, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je trouve que le terme légendaire perd tout son sens dans Borderlands 3. C'est plus du légendaire, c'est du commun. Limite, tu drops plus de légendaire que d'armes blanches, vertes et bleues. What the fuck? Moi, je pense que pour m'aider à ce gros souci, c'est pas de nerf le légendaire, non, je pense qu'il faudrait juste rajouter une rareté du genre les armes perlées, les armes nacrées, les armes noires, enfin n'importe ce que vous voulez. Et mettre un taux de drop très faible pour garder un sens dans le mot rareté. Alors attention, encore une fois, je ne blâme pas le système de loot. Car il existe toujours, parce que pour obtenir l'arme de tes rêves, c'est-à-dire avec les bonnes perfs, le bon préfixe, le bon élu, le bon élément, eh bien, le challenge est toujours là. Tu peux passer des heures et des heures, voire même des jours, pour obtenir ton Saint Graal. Ce que je critique envers le Borderlands 3, c'est surtout le système de taux de drop. Autant ils ont un peu modifié ça avec la suppression de certains élus, ainsi que donner une loot pool à quasiment tous les boss du jeu. Mais il reste quand même beaucoup trop légendaires qui tombent et beaucoup trop d'armes encore inutiles qui nous font rager quand tu les lootes. Par exemple, tu passes, je sais pas moi, tu fais une séquence de 30 boss, tu vas looter peut-être une fois ton arme, mais tu vas looter une centaine d'armes inutiles qui te servent à rien. Hein, moi ce que je dis c'est fucking le woodlocker, fucking le monocle, fucking je sais pas quoi d'autre, les armes qu'on loot tout le temps. Bon, je vous rassure, on va pas dire que du mal de ce Borderlands 3, hein. On va parler quand même de quelque chose assez positif au jeu. On peut par exemple parler des 4 nouveaux chasseurs de l'arche qui sont quand même tous agréables à jouer. Et grosse nouveauté dans ce Borderlands 3, c'est surtout, moi ce que je trouve c'est qu'on a une super diversité sur les builds, qui est très élevé comparé à Borderlands 2 où tu avais un seul build ou voire deux efficaces sur chaque chasseur. Là tu peux vraiment jouer le chasseur que tu veux, tu peux jouer comme tu le sens. Par exemple, je reviens toujours sur Borderlands 2 parce que c'est ma référence. Borderlands 2, quand tu jouais Maya, le seul build qui faisait vraiment des gros dégâts c'était la Maya Legendary 4 avec la Sundok. Tu pouvais jouer autre chose, ça faisait le café, mais voilà, c'était pas pété, alors que là, sur ce Borderlands 3, tu peux vraiment adapter ton choix de jeu sur chaque chasseur de l'arche. Certes, il sera pas aussi fumé que si tu fais un build qui est à la mode, le build dans la méta. Non, mais tu arriveras toujours à t'en sortir. Par exemple, moi, je joue toujours ma Mara Jacobs, c'est pas la meilleure, mais j'arrive à faire tout ce que je veux sur le jeu avec. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un bon point. Sur ce Borderlands 3, on a quand même la possibilité de jouer son chasseur de l'arche comme on le souhaite. Et ça c'est très satisfaisant. Bon, bien sûr, j'espère quand même, et même on espère tous, l'ajout d'un quatrième arme de compétence afin de pallier au prochain level cap. Parce qu'on va pas se mentir que s'ils continuent à faire des level cap et s'ils rajoutent pas le quatrième arbre, ils vont faire la même erreur que sur Borderlands 2. C'est-à-dire rendre que certains builds efficaces. Mais bon, hein, j'y crois dur comme fer, je sais que ce quatrième arbre arrivera un jour. Autre gros point positif à ce Borderlands 3, c'est le dynamisme dans les combats. Oui, le fait d'avoir ajouté la possibilité de glisser, d'escalader,
d'interagir avec l'environnement, surtout en plus avec l'arrivée du DLC 3, on a encore plus d'interaction avec l'environnement, et bien ça donne une vraie valeur au gameplay. Je trouve que les combats sont beaucoup plus dynamiques et moins monotones qu'on avait sur Bronze 2, où il fallait que tu fasses en boucle la même chose. Là, certes, t'as des boss, il faut que tu fasses toujours en boucle la même chose, mais t'as des séquences, par exemple, je pense à Anathem, tu dois faire 12 fois la même chose, mais avec les séquences de plateforme, et ben ça passe assez rapidement, alors que si t'étais enfermé dans une arène simple, ça serait casse-couille, ça serait vraiment monotone. Donc vraiment, l'ajout des glissades, de l'escalade, c'est vraiment un plus. Moi, lorsque j'ai joué aux premières heures du jeu, hormis, bon, bien sûr, le boule de l'élite qu'on voit dès le début de jeu, c'est vraiment ce qui m'a marqué de suite, c'est du combat dynamique. Les échanges de tirs sont vraiment dynamiques, même les petits dégâts qui apparaissent sur l'environnement, par exemple, tu tires sur un truc en béton, il y a des trucs qui se cassent et tout. Et bien, tout ça, c'est un petit plus, ça paraît très peu, c'est très minime, mais quand tu combines tout ensemble, et bien, ça rend vraiment un esprit dynamique au gameplay. Et enfin, dernier petit point sur lequel je veux intervenir, c'est que les devs prennent bien soin de leur petit bébé. En même temps, c'est normal, c'est leur petit dernier. Ils écoutent vraiment la communauté pour rendre le jeu comme on le souhaite. Alors même si, je vais pas vous mentir, que l'ajout de mage à chaque semaine, des nerfs et des ups en permanence, bah, ça peut rebuter certains joueurs. Hein. Par exemple, j'ai vu « Oh, ça me saoule d'avoir toujours des mages, des nerfs, etc. etc. Il faut toujours qu'on farme ça, talala. » Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, j'ai vu ça sur pas mal de forums. Eh bien, je suis d'accord, d'un côté, mais d'un autre côté, je trouve ça normal que les devs prennent soin de leur jeu. Parce que, on va pas se mentir, lorsqu'il y a un bug ou juste une arme qui est trop puissante, qui ravage tout et fait beaucoup d'ombre aux autres armes, eh bien, je trouve ça tout à fait normal que l'arme se prenne un nerf dans la gueule ou qu'elle est modifiée pour pouvoir redonner de la puissance aux autres armes du jeu, que sinon tout le monde jouerait les mêmes armes, un peu comme on a sur Bronze 3, tout le monde joue la Sandok, le Harold, le Norfleet, enfin on joue tous les mêmes armes, et je pense qu'ils veulent éviter ça sur ce Bronze 3, donc c'est pour ça qu'il y a des ups, des nerfs à droite, à gauche, c'est justement pour rendre un équilibre parfait entre les armes, même si on va pas se mentir qu'il y a des armes qui restent tout de même au-dessus des autres, hein. Pas mal de monde joue les mêmes armes, mais bon, hein, on peut toujours s'adapter. Pour moi, toutes les armes sont très fortes, il faut juste savoir comment les utiliser et comment se build avec. Il y a aussi l'ajout d'événements gratuits, qui est vraiment cool sur Bronze 3, parce que, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas Bronze 2, sur Bronze 2, tout était payant, tout. Les level caps étaient payants, tout. Là, sur Bronze 3, on a un level cap gratuit, on a des événements de saison gratuits, et ça, c'est vraiment cool, parce que ça pénalise pas les joueurs qui n'ont peut-être pas les moyens de claquer un Season Pass qui est au même prix que le jeu, hein. Merci le Season Pass qui coûte la peau du cul. Donc ça vraiment c'est vraiment bon pour tous les joueurs. Seuls les DLC sont payants et ça c'est tout à fait normal, hein. On va pas se mentir que s'il lancerait tout gratuitement, ben, il perdrait un peu de pépette. Puis bon, on va pas se mentir que les DLC, je trouve ça normal qu'ils sont payants. Et en plus de ça, les DLC de Bronze 3 m'ont pas du tout déçu. Je trouve qu'ils ont vraiment tous été très bons. Bon, j'ai ma grosse préférence pour le DLC 3 Prime de Sang. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la vidéo à vie dessus. Mais c'est pas grave. Mais j'ai passé vraiment un agréable moment sur chaque DLC de ce Bronze 3. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le DLC 4. Et j'espère qu'ils vont par la suite en sortir d'autres. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter ici. Je pourrais parler des heures et des heures pour défendre une de mes sagas préférées du monde du jeu vidéo. Mais on va s'arrêter là. Je sais très bien que j'ai oublié de parler de choses essentielles comme le voyage éclair. Dans ce Bronze 3, ils l'ont vraiment simplifié pour pas qu'on soit perdu. J'ai oublié de parler aussi de la diversité des environnements. Enfin bref, j'ai oublié de parler plein de choses. Mais ça, je vous laisse faire votre propre idée sur ça. Puis bah, faire vos retours dans les commentaires. Moi, je veux vraiment m'attarder sur les gros points qui m'ont marqué dans ce Bronze 3. Pour conclure, ce Bronze 3, non, il n'arrivera jamais à l'auteur de Bronze 2. Pour moi, le Bronze 2, c'est vraiment le tip-top des Bronze. Le Bronze 3 reste quand même un très très bon Bronze, on va pas se mentir que c'est vraiment un très bon jeu. Les ajouts dans ce Bronze 3 ont rendu la Sega beaucoup plus moderne et ça continue de la faire vivre. Si je vais vous faire un classement, je sais que quelqu'un va me demander dans les commentaires de faire un classement. En première position, je mets Bronze 2. En deuxième position, Bronze 3. En troisième position, Bronze Pré-Séquel, qui est pour moi peut-être le moins bon. Et en dernière place, Bronze 1, tout simplement parce qu'il a pris un bon coup de vieux.
mais ça reste quand même un très bon Borderlands également. Donc j'espère que mon analyse et mon avis personnel, attention je dis personnel, sur ce Borderlands 3 vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis et débattre avec moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. Pour la suite des vidéos, parce que oui, j'ai quand même fait un petit point là-dessus, je vais reprendre les vidéos, ne vous inquiétez pas. Là, en ce moment, je profite juste un peu de mes vacances pour revenir en puissance prochainement. J'ai le top 3 SMG qui a gagné haut la main le sondage qui est en cours d'écriture et que quelques petites choses à droite à gauche. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt, là, je profite de mes vacances. Puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, les amis. Allez, bisous! Et surtout, n'oublie pas de mettre le petit like, de t'abonner et de commenter, puisque vu que je suis assez calme en ce moment sur la chaîne, déjà que YouTube me mettait bien de côté, mais alors là, vu que je suis très calme sur la chaîne, ils m'ont carrément mis dans les oubliettes. Donc je compte sur toi pour faire remonter ça. Bisous!